Salut à tous, c'est Damzou sur Civilisation 5 Brave New World. Il est grand temps de lancer la troisième saison. Donc la partie est déjà totalement réglée. Il n'y a plus qu'à faire jouer et de regarder la civilisation aléatoire que l'on va gagner. Soyez honoré, ô grand Gajamada, premier ministre du royaume de Majapahit et glorieux unificateur de l'Indonésie. Les récits de vos exploits guerriers ont traversé les siècles grâce au Pararaton, qui raconte comment vous avez fait le serment d'unir les multiples îles du Nusantara sous un seul et même étendard. Chef militaire et époux fidèle, vous avez fait bien plus que tenir votre promesse. Non content de soumettre ceux qui se dressaient sur votre chemin, vous vous êtes emparé de toutes les terres qui formaient l'archipel d'alors, posant ainsi les fondations de l'Indonésie moderne. Puissant guerrier Gajamada, votre peuple a besoin d'un meneur pour le guider vers la prospérité perdue. Réussirez-vous à conquérir les royaumes voisins et à étendre l'influence de votre empire? Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps? Bien, alors l'Indonésie, je connaissais pas. Elle a l'air pas mal. Les trois premières villes sur le continent autre que le continent de départ produisent deux ressources de luxe uniques. Ça a l'air énorme, ça. L'espadassin Adris, je pense qu'il remplace l'espadassin. Et le Candy, il remplace le jardin. Pour chaque religion mondiale. Voilà. Ok, ça a l'air d'être une situation pas trop mal. Ouais, déjà trouvé une ruine. Fonce. J'ai du coton. J'ai un lit de rivière, ça permet de faire une case, deux cases, ça fera plein de cases dans la ville. 3 de nourriture ici. Après, les cases suivantes sont pas géniales. Ouais, je sens que ça va être chaud de faire un lieu de départ, mais au moins j'ai des ressources de luxe. 1, 2, 3. Ça a l'air quand même jouable. Alors, la science, c'est habituel. Moi, je rush l'écriture. Production. Ah. J'aime pas. Quand je vois que mon éclaireur est aussi long à construire, c'est rien de bien. Y a rien de bon derrière ça. Tour suivant. Allez. Faites que ce soit une ruine de fou. Un truc, franchement, qui va m'apporter un truc de fou. Bon, bah déjà, des activités barbares, c'est de la merde. Si je pouvais, je vous la foutrais dans la gueule, cette truc. Du coup, attends, il faut que je trouve un autre continent pour être rentable. C'est moi ou je vais être le roi du coton? Kilimandjaro en plus? Si, ça c'est pas mal. Ici on peut faire des villes montagneuses. Et les reines du coton en plus. Ça veut dire que je peux vendre beaucoup de coton. Ouais, je suis le roi du pétrole. 20 cultures, bien. Ça là elle est pas mal. Allez les mecs, le bonheur avant tout. Du coup je peux tout de suite prendre ma première doctrine. Bim. La culture tout de suite boostée. Ah, cité état et la teinture. Là ici c'est bien positionné en montagne. Malacca. En plus Malacca c'est pas à côté de l'Indonésie ça. Mais qu'est-ce que c'est roleplay cette saison. Moi je vous dis là on frôle le départ parfait hein. L'éclaireur tu pars au sud. J'aimerais bien trouver le rivage. Il faut que je trouve le rivage. Au revoir, c'est croisé où toi? Ok, il vient de ce côté là, c'est pas bon signe. Ah bah, elle sera peut-être bonne. ...23 tours, c'est long. Bim! Hop là! Un habitant en cash. Alors comment se sont répartis mes habitants? Ici, ici...
Il y en a un de plus qui va se mettre là, c'est pas mal. Bon, au moins, on a de la nourriture. Par contre, on n'a pas de production, c'est sûr. Mais on a de la nourriture. Toi, avance. Ah, mais trouver la France. Bienvenue. Je suis Napoléon, de France. Coucou, Napoléon. Le militaire le plus intelligent de l'histoire mondiale. Voyons, c'est les autres. Toi, t'es... Tu te la pètes un peu, hein. Est-ce que l'argile dit à son potier « Que fais-tu ?» Bah oui, pourquoi. Alors du coup, changement de direction, on va partir par là-bas. Toi, on va viser le sud en priant qu'il n'y ait personne au sud. Mais oh, ah, une visite d'état. Mais moi, j'ai trouvé le rivage. Je te préviens, si c'est une mauvaise nouvelle, je te tue. Ah non, il n'y a pas, carrément pas de nouvelles. Mombasa. Oh, Mombasa. Ok. Carthage. Kuha kanane etatala mem la katana aman. Anouk, Dido, Amalkat kahadash toi kolula. Toi, je vais t'appeler Dindon, ça prendra. Trop près de chez moi pour que je te parle avec respect. Encore de ça ici. Un panthéon de fondé. Alors là, j'en suis extrêmement loin des panthéons pour espérer quelque chose. En partant comme ça, ouais, je pense que c'est perdu d'avance. Je vais essayer de passer juste au-dessus. Ah, je pense qu'ils ont dit qu'ils devaient protéger quelqu'un. Alors ça... 15% lors de la production de merveilles, ça j'adore. On va essayer de passer à travers. Tiens les mecs, vous savez que votre camp il est un peu en feu les mecs, faudrait peut-être sortir. Je sais que là il y a l'Allemagne ici, c'est pas intéressant, j'ai plutôt repartir de l'autre côté tout de suite. Ah ouais, mais ici c'est les rois de la teinture en fait. Je vais partir par là-bas en fait. Rester dans le coin, ça n'apportera rien de bon. Ma nouvelle construction. Alors, j'ai... Dans combien de temps? Dans 6 tours, j'ai l'écriture. Il faut que je fasse un truc qui fait 6 tours. Et j'ai rien qui fait 6 tours. C'est un peu pourri, quoi. Je vais commencer mon grenier. Et encore... Mais moi j'y crois pas. Deuxième panthéon, moi j'ai pas un seul point de culture, alors faites-moi rêver hein. Ah, y a Dindon, elle est plus mauvaise que moi, bien fait. Ah, ça à mon avis c'est l'Allemagne. Ah, il y a des quoi? Il y a des pierres précieuses ici. Ah, cité état. Le cap. Il y a même des moutons dans le coin d'ailleurs. Donc là, on a trouvé la civilisation allemande. Enfin, elle nous avait déjà trouvé avant. Pas une grande nouvelle. Trouver une merveille en... Pas une merveille, une ruine. L'écriture va passer. C'est quoi ça? La bibliothèque. La grande bibliothèque. Qui détruit un bon livre tue la raison elle-même. Ah ouais, faut pas tuer un bon livre, les mecs. De toute façon, un livre, ça se tue pas, je vous rappelle. Ah, c'est quoi la forme améliorée des éclaireurs? C'est des archers. Si vous pouviez rentrer intact, parce que j'aime bien les archers. Alors, après, je veux le calendrier parce que j'ai beau... Non, attendez, c'est du coton que j'ai appliqué ou je suis trompé? Le coton ou le marbre? Le marbre, il est sur quoi? Il est sur la carrière. Ça veut dire qu'il faut que je prenne d'abord la construction de mine, défricher la forêt. Ouais, pour celui-là, je peux avoir 11 tours, c'est plus proche. Ici, on va faire un petit ajouté à la file. 41 tours!
là, le 41 tours, je le sens pas beaucoup. Je vais aller choper un ouvrier, je pense. Redirige-toi vers Malacca. Toi, tu te casses par là-bas. Lui, je crois que c'est impossible pour lui de piquer quelqu'un. Nouvelle doctrine déjà, où je trace là. Là, c'est peut-être le moment de lancer la liberté, justement. Ouais, on lance la liberté. Ça me fait encore un peu plus de culture. Et au bout d'un moment, ça fera beaucoup de culture. Ah! À côté de la merveille, quelqu'un s'est installé. C'est pas joli, joli ça. Les peuples les plus souriants au monde. C'est pas moi. Et pourtant, bah, je vois pas ce que je peux y faire. Envers. Bah tiens, je vais faire des déclarations publiques. Ça va peut-être le croire, ça. Serment de protection, on sait jamais. Mombasa, serment de protection. Envers, serment de protection. Ouais, ouais, c'est fini. J'attends que mon barbare atteigne Malacca pour piquer. Es wäre in eurem Interesse. Je refuse pour l'instant. Tour suivant. Toi, tu vas entrer en ville. Parce qu'on a forcément à un moment une guerre qui va déclencher quelque part. Ouh, eux ils sont en mauvais état là. Bah tiens. Ouais, c'est peut-être pas le mouvement le plus intelligent que j'ai fait. Je me suis dit qu'il y avait de la chance, ils auraient peut-être quitté le coin. Ouais. Je vais reprendre ma route vers Malacca. Il va juste falloir prier pour qu'au moment où j'arrive à Malacca, il y a un paysan qui soit. Il y a un groupe d'ouvriers qui soit visible. Non, toujours pas. La France t'offre cette proposition exceptionnelle. Non, ça ira. J'ai découvert un campement barbare. Fais feu. Des fois, ça arrive que l'ordinateur soit un peu con et qu'il bouge pas. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ouais, ça m'a l'air très très intéressant ce que tu viens de raconter là. Du coup, la science suivante... Je vais partir en exploitation minière. Ça veut dire que je vais partir en maçonnerie tout court. Mais t'as pas de paysan, toi, en fait. Moi, je vais t'en piquer un, alors sors-moi un paysan. Mombasa recherche la Carthage. J'ai trouvé Carthage. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'était là. Carthage. Tom. Échanger. Ambassade. Personne. Et... Ah mais bande de boulets quoi, franchement les mecs. Vous me décevez là. Allez encore. Prochain tour, ça doit être bon normalement. Oh, en vert ils m'ont piqué ça les escrocs. Feu. Il peut plus se déplacer. Mec, est-ce qu'un jour vous comptez faire un ouvrier que je vous le vole? Hop là, je vous ai niqué. Je vais approcher un autre camp. Ah, il y a eux qui... D'ailleurs, de toute façon, il y a eux qui m'approchent tout court. Ah,
Non, en fait, c'est ici que j'ai un meilleur champ de vision. Je vais peut-être organiser un petit peu mes paysans parce que je pense qu'ils sont peut-être pas bien placés. Ouais, alors là, je fais beaucoup d'or, mais je fais pas de production, ça le problème. Dans le genre, toi tu vas arrêter, toi tu vas arrêter. Et les mecs, il serait peut-être temps de faire un peu de production, comme on dit, hein. J'accepte. Refusé pour l'instant. Ah, ça y est. Hop. Prochain tour, j'y vais. Je les pique et je me casse. Les archers, je m'en fous. J'ai pas d'ouvriers pour l'instant. Et d'ailleurs, je vais mettre à portée de tir du camp. Le débonnaire héritera de la terre, mais pas de ses droits miniers. Alors, je fais un déplacement ici. Oui. Et je vais faire la paix. Est-ce que eux aussi m'aiment pas du coup? Bah ils s'en foutent. Et puis, on rentre ensemble. Feu. Sur la montagne, comme ça je pourrais bombarder ce camp là. Je pense qu'en tuant un camp de rebelles, un camp de barbares juste à côté de chez eux, on devrait redevenir un peu copains. Moins 22, c'est pas mal. Toi tu m'abats les eux en basque, ça va bientôt être le cas. Alors. Et on apparaît. Ça pour commencer. Parce que pour l'instant l'ouvrier je peux pas m'en servir. Je suis trop mal encerclé pour espérer faire quelque chose. Alors toi tu vas me prendre là tu bombardes quoi? La colline c'est une prairie. Voilà. Feu. Toi tu fonces là-bas. Toi tu les suites prudemment. Toi tu vas pouvoir achever l'archer. Ah mais il a attaqué la ville ou c'est moi? La France. Non. Feu. Toi tu y es presque. Toi tu continues ta poursuite. Feu ici. Eh, hey, y a même de l'or. Un camp barbare de fées. Et vous êtes pas à portée de l'autre. Par contre, si tu passes ici, t'es à portée. Ah non, y a forêt. Saloperie. Les ouvriers, vous tracez par là. Et toi, tu continues de buter sur lui. Là, normalement, les archers sont à portée. Et boum! Vous continuez de foncer par là. Et toi, tu dégages. Ah, je suis meilleur que Napoléon. T'avais bien fait pour ta gueule. Tu seras en terrain dégagé, toi aussi. On se replie au sud. On trace, toi tu vas directement aller là-bas. Ma prochaine doctrine c'est dans longtemps. Les mecs vous réclamez de l'argent mais où est-ce que vous voulez que je vous trouve de l'argent moi? Heureux, oui bien heureux ceux-là dont les remparts déjà s'élèvent. Alors toi ici donc tu me fais le calendrier. Je pense pas que ce soit le bâtiment le plus idéal. L'idéal, toi tu te comptes à te soigner. Toi tu vas aller ici pour te soigner aussi. Nouvelle technologie. Le travail du bronze.
pour trouver le fer. Cinq tours, la bibliothèque, j'y crois. Toi, t'es en pleine forme. Où est-ce qu'il y a ? Il y a un camp barbare au sud. Fonce. Enfin, en tout cas, il y a des barbares. Généralement, là où il y a des barbares... Enfin, là où il y a des barbares, il y a un camp. Trouvez, ils sont au centre de vision, là. Trois tours. Allez, je peux le faire. Aïe. Vous avez fait mal, bande de salauds. Vous passez de ce côté là. S'il réattaque, normalement il meurt. Toi, je refuse. Air classique pour quelqu'un déjà. Rapide. Ouais, je suis largement en retard. C'est assez traditionnel dans ces parties là. Toi, c'est fini. Toi, tu vas te soigner un peu. Et normalement, je l'ai là. J'ai ma merveille. Ouais, j'ai ma science gratuite. Alors, toi, est-ce que t'as fini ton truc? Il est fini. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir faire autre chose. Bah, passe ici. L'archer, t'es pas à portée. Si t'avances là, t'es à portée. Toi, tu vas rusher comme un porc. Donc l'une des sciences les plus chères que je peux faire, ce serait la poésie ou la philosophie. Ça me donnerait l'oracle pour une doctrine gratuite. C'est sûr que si je fais ça, d'ailleurs je fais l'oracle. Amphithéâtre, épopée nationale, ça m'attaque pas tout de suite. Hop. Il n'existe qu'une vertu, le savoir, et un vice, l'ignorance. Il est pas con, Socrate, hein. Bienvenue à l'ère classique. Du coup, après ça, je te mets l'oracle. C'est là qu'entra Hector. Sa main tenait une lance haute de 11 coudées. La pointe de bronze brillait en haut de la hampe, où la cernait un anneau doré. Pour la classe. Allez, hop. Tu tires sur lui. Tu charges sur lui. Et toi, tu me la barres. Ah, tu l'as raté. Ouais, du coup, j'ai pas enchaîné. Le travail du fer, l'épopée héroïque. Le colosse. Non, le colosse m'intéresse pas, en fait. Moi, ce qui m'intéresse plus pour commencer, c'est les pièges. Petite ferme ici. On prend du retard. Hambourg, Berlin, Carthage, oui, c'est sûr qu'ils sont blindés. Attendez. Toi, pour commencer, tu vas charger ici, t'as gagné. Tu fais ça, t'as gagné. Parfait. Maintenant, va falloir que tu te soignes avant de mourir. Voilà, hop, soin. Toi, tu reviens là et du soin aussi. Ah, mais c'est mon grenier, j'ai toujours pas eu mon grenier. Tu ne muselleras point ton bœuf lorsqu'il foule le grain. Intéressant. Je pensais que j'avais un peu plus d'avance que ça. Non, toi, je m'en fous toujours de ta vie. Ouais, encore du repos. Il n'y a pas de camp barbare quelque part? Ah si, il y a un camp barbare qui est là-bas, on va y aller. En avant les mecs. On va s'occuper du camp barbare. Une petite ferme de terminée. Ils ont fondé une religion. C'est qu'ils sont bons. Alors, il y est presque. On aura bientôt le deuxième briller. Feu.
toi tu fonces bien. La France. Non, je vais toujours pas. Les oiseaux et les autres bêtes ne tombent pas deux fois dans les mêmes embuscades. C'est qu'ils sont super malins alors. Prochain coup, on y est. Technologie, je prends pas beaucoup d'avance ou c'est moi qui me fais avoir? Bon, là, ce que je veux maintenant, clairement, c'est la monnaie. Ouais. Ça, la religion, j'ai fait exprès de pas en prendre. Bon. Un premier coup encore. Alors, la doctrine. Ça peut m'offrir un colon? Bah, j'avoue que je préfère qu'on m'offre le colon. C'est mieux. Par contre, je vais juste devoir réfléchir un petit peu où le caser. Ça, ça me donne accès, c'est sûr, à la côte. Mais il n'y a rien d'intéressant. L'or, c'était en dehors de mes limites. Et si je prends par là, j'ai accès à l'argent. Il n'y a pas de... Il n'y a rien d'intéressant par là. Là, la merveille, je peux pas l'exploiter. Ça, ça sert à rien de se mettre là. Toute la côte ici est vraiment pourrie. Ouais, il faut que je tente de faire route au niveau de l'or. Et encore, au niveau de l'or, si je m'installe par là, je suis même pas sûr. Si je m'installe à Orléans, je suis trop près des Français, là, ça va être pas pareil, ça va être galère. Ou est-ce que... Non, même pas, ça m'intéresse même pas de tenter ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, je suis dans le champ de Jakarta. Pas intéressant du tout. Si je vais, faut quand même que je tente d'approcher le côté de l'or. Bon, toi, tu m'auras ça. C'est qui, eux? Carthage? Rien à foutre de Carthage. Toi, tu vas aller escorter en haut. Des guerriers français? Sur la flèche qu'il atteint, l'oiseau reconnaît ses plumes. Nous donnons bien souvent à nos ennemis le moyen de nous détruire. Avec des plumes, je confirme, la plume, arme de destruction massive. Ok, je peux tenter de profiter, j'avais l'avantage. Toi, il faut que tu fonces, toi tu vas tranquillement patienter. Je veux que tu... Non, rien à faire ce tour-ci. Toi, si t'as fini ça, il faut que tu me passes là-bas maintenant. Pour construire ça. Ah mince, j'ai oublié de vendre mon coton. C'est con ça. Bon, eux, tu tues lui, c'est très bien. Il n'avait pas promouvoir une unité. De rien faire, un tour de plus. Et là maintenant, il fait faire dans les échanges internationaux. Bonjour. Moi, j'ai un coton. Et t'as pas grand chose à vendre. Et je l'ai fait avec Carthage, ça. Tom. Si je te propose un coton. Shamazan. T'étais pauvre. Bismarck. T'es pas riche, ça, par hasard? Ah non, t'es même carrément la dèche. Le plus riche, ça reste le français. Bonjour. Je te refile un coton, tu me donnes tes 5 d'or par tour. Franchement, c'est cadeau. Mais c'est juste au début pour pouvoir faire quelque chose. Donc comment ça? Les archers, vous passez. Alors toi, tu vas prendre exercice. Et tu vas vite aller te faire réparer. Comment je parle, moi, te faire réparer? Ça veut rien dire. Pas. Ah ouais, t'es beaucoup plus lent. Es wäre in eurem Interesse. M'intéresse pas. C'est qui eux? C'est des soldats allemands. Jakarta, 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'il me faut un positionnement par là. Oups, j'ai failli faire un mauvais truc.
Bah attends mec, on va pas tout de suite s'unir pour buter quelqu'un quand même. La sagesse et la vertu sont comme les deux roues du chat. On va essayer d'être pote un peu avant quand même. Allez, on s'arrête ici pour le premier épisode. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.